Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien. Je vous fais mon live hebdomadaire avec quelques jours de retard, puisque forcément c'était le réveillon de Noël, donc j'étais en famille. J'espère que vous avez bien profité également de votre réveillon de Noël. Là, je vous fais ce live en direct de la Hollande. Il fait très 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 froid, comme chaque année, parce que la famille de mon compagnon est de là-bas. Donc après Noël, on part toujours en Hollande. Et du coup, le live de cette semaine, c'était par rapport à la motivation. Et ma question, c'était, en tout cas la question que je vous invitais à vous poser, c'était, est-ce que finalement vous êtes la seule motivation à votre perte de poids? Avant de répondre à cette question, je voudrais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne depuis 2009. Et ma mission, c'est de vous aider, d'aider les femmes, tout simplement à faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Et ça, sans culpabilité, sans frustration, vraiment de retrouver une sérénité, une forme de paix intérieure, si vous voulez, par rapport à toute cette alimentation, à toute cette acceptation du corps. Et donc moi, mon credo, finalement, c'est vraiment toute cette approche comportementale de l'alimentation. Puisque je me suis formée là-dedans et je suis vraiment experte dans cette approche comportementale de l'alimentation. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la motivation et est-ce que vous êtes la seule motivation à votre perte de poids? Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que j'avais une discussion il y a quelque temps avec une patiente et elle me disait oui, il faut absolument que je perde du poids. Et donc moi je lui ai demandé pourquoi? Pourquoi est-ce que vous devez perdre du poids? Donc elle m'a dit parce que perdre du poids, parce qu'être gros, c'est pas bien. Et pourquoi être gros, c'est pas bien? Parce que les autres sont minces, donc moi il faut que je sois mince aussi. Et donc moi je lui dis, écoutez, moi j'ai les yeux marrons, j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus parce que je trouve ça plus joli, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Il dit, mais honnêtement, je vois pas le rapport. Être gros, ça veut dire qu'on est en mauvaise santé, c'est pas bien, etc. Et je dis, mais non, être gros, ça veut pas dire être en mauvaise santé. Il y a des obèses qui sont en très bonne santé, qui vont vivre très longtemps, et vous avez des maigres ou des minces qui sont en très très mauvaise santé et qui vont avoir plein de cancers ou de maladies cardiovasculaires, par exemple, et mourir très jeune. Finalement, ce qui vous fait penser que être gros, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas beau, vous êtes en mauvaise santé, c'est la société. Et si vous tenez ce genre de discours, si vous avez ce genre d'excuses ou ce genre de motivation, finalement, appelez-les comme vous le voulez, vous ne voulez pas perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre peau, c'est parce que la société vous a dit que être gros, c'était pas bien, c'était moche, c'était presque sale, que les personnes grosses, c'était des personnes qui manquaient de volonté, c'était des mauvaises personnes, qui étaient presque déficientes intellectuellement. Et qu'en plus de cela, si vous étiez gros, vous alliez forcément mourir. C'était forcément, vous étiez en mauvaise santé, alors que pas du tout, ça n'a pas, il n'y a pas de relation de cause à effet, parce que l'alimentation n'est pas le seul facteur de risque d'une mauvaise santé ou d'un cancer ou autre. Bien évidemment qu'à partir d'un certain seuil, un certain stade, le poids, et donc si vous êtes en obésité, est un facteur de risque, donc qui aggrave la santé, mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi le fait d'être sédentaire, donc le fait de pratiquer un sport ou pas, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, si vous avez un bon sommeil ou non, si vous êtes stressé, si vous êtes heureux, hein, la notion de bonheur est également importante et peut aussi favoriser certaines maladies. Donc, il n'y a pas que le fait d'être gros, il n'y a pas que l'alimentation, bien sûr que ça aide, mais il n'y a pas que ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de réfléchir si vous voulez vraiment perdre du poids pour vous. Et dans ces cas-là, c'est OK. Si vous êtes la seule motivation à votre perte de poids parce que ça vous abîme les genoux, vous vous sentez mal dans votre peau, vous ne vous aimez pas, vous pensez que ça va favoriser votre estime de vous, ça peut. Donc, il faut vraiment réfléchir à est-ce que vous voulez perdre du poids parce qu'on vous a dit, quelqu'un d'extérieur à vous vous a dit qu'il fallait perdre du poids parce que vous risquiez d'être malade. Alors attention, il y a peut-être les médecins qui vous ont dit qu'il fallait perdre du poids parce que vous aviez une pathologie, c'est différent. Mais est-ce que c'est Tata Micheline qui vous a dit oui, t'es trop grosse, tu vas forcément tomber malade ou avoir un cancer? Ou est-ce que c'est parce que la société vous dit que les gros sont moches, et pas compétents, et pas gentils, et tout ce que vous voulez, et que c'est pour ça que vous voulez perdre du poids?
alors ce n'est pas la bonne motivation, ce n'est pas celle, ce n'est pas votre objectif qui vous aidera à justement perdre du poids parce que vous ne le faites pas pour vous et vous le faites sous la contrainte. Et comme un régime, si on le fait sous la contrainte, peu importe la règle alimentaire, peu importe la règle diététique, si elle est sensée ou non, si elle est vécue comme une contrainte, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. C'est exactement la même chose pour la motivation, si elle ne vient pas de vous, si elle vient de par les autres finalement, sans vous en rendre compte peut-être, hein, mais si elle vient de par les autres, et ben alors c'est voué à l'échec. Donc, j'accompagne les femmes, quand on se voit en coaching personnalisé, la première séance est dédiée à la motivation. On fait vraiment le bilan, le point. Je vous fais répondre à un petit questionnaire pour faire le point sur... Quelles sont vos motivations? Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que c'est pour la société? Est-ce que c'est pour votre famille? Est-ce que c'est pour votre conjoint? Pour vos enfants? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement, mais c'est important de faire le point sur les motivations parce que ça va vraiment déterminer votre, on va dire, pourcentage de succès, on va parler ça comme ça, par la suite, si vraiment vous avez de bonnes motivations qui vont vous aider finalement à tenir dans les moments, les moments un peu plus durs, les coups de mou, de votre perte de poids ou en tout cas de votre changement de comportement alimentaire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez vu où vous voulez en venir, peut-être que ça aurait fait écho en vous. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question. Pour qui vous voulez perdre du poids? C'est quoi votre motivation? Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que c'était pas bien d'être gros? Ou est-ce que c'est vraiment, ça vient vraiment au plus profond de vous? Ça vient vraiment, vous avez vraiment cette envie au plus profond de votre cœur. Donc je vous invite vraiment à vous poser avant d'entamer n'importe quel régime, n'importe quel rééquilibrage alimentaire, n'importe quelle démarche, n'importe quel changement dans votre vie. Posez-vous la question, est-ce que vous le faites pour vous ou parce qu'on vous a dit de le faire? Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, pensez à liker la vidéo et à la partager autour de vous, surtout si vous la regardez depuis ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner notamment si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur le coaching, si vous avez envie de changer de comportement alimentaire, de retrouver un poids génétique stable, si vous avez envie d'arrêter de craquer, tout ce genre de choses, pensez à me contacter par message privé. Et puis comme ça je pourrais vous appeler, on pourra en discuter par téléphone et voir ensemble les solutions que je peux vous proposer les plus adaptées à votre situation. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon, mais je referai certainement un live la semaine prochaine. En tout cas, profitez bien de votre famille, de vos amis, surtout si vous êtes en vacances. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain live. Salut, salut !